Salut à tous, c'est Alizé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Dokkan Battle et pas n'importe laquelle. Nous sommes dans la période du Dokkan Fest. Il vient de sortir pour le nouveau Black Goku Rosé et le nouveau Super Vegeto Blue. Ça fait longtemps que j'ai pas été autant hypé et autant intéressé par un portail. Malgré donc le Gohan, etc., tout ce qui a passé. Là, on a du lourd, on a du lourd. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous avons le portail Festival Super et nous avons le portail Extrême. Alors, les invocations fonctionnent de la manière suivante. 10 DS pour la première multi pour un personnage. 20 DS pour la deuxième multi-invocation pour 5 personnages. 40 DS pour la troisième multi avec 10 personnages et la quatrième multi-invocation offerte. Et après, on part sur des tranches de 50 DS par multi-invocation avec la cinquième à 50 DS, la sixième à 50 DS, la septième à 50 DS et la huitième gratuite et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'événement. Toutes les 4 multi-invocations, enfin toutes les 3 multi-invocations, la quatrième est gratuite avec les premières avec des réductions. Plutôt intéressant, je vais faire 4 multi-invocations par portail, voir un peu ce qu'on a. Et puis j'espère que la chance sera avec nous, parce que là dernièrement c'était pas trop ça, surtout sur les portails des tickets dernièrement, c'était vraiment de la merde. Donc on va faire un petit tour au niveau du portail super. Le nouveau Vegeto Blue, donc ici, qui est le leader de la team Super, qui fait plus 120% donc sur tous les types. Enfin, oui, 120% de Dokkan. En fonction en fait des unités qu'il y a dans votre équipe. Donc pour activer l'aptitude leader, il faut que vous ayez une unité super de chaque type dans votre équipe pour que ça s'active, sinon c'est mort. Ensuite, on a le Gohan Ultime que je n'ai pas, que j'aimerais bien avoir aussi. Le Goku Super Saiyan 4 qui ne m'intéresse pas plus que ça en doublon à la limite. Le Goku Super Saiyan 3, non. Le Gotenks Super Saiyan 3 Endurance que j'aimerais bien avoir, que je n'ai pas. C'est la seule unité qui manque dans le type super. Le Beerus, on s'en fiche. Le Trunks du futur. Alors, Trunks du futur, je crois que c'est une nouvelle unité. Pourquoi pas dans la team puissance à la limite, ça peut peut-être être intéressant. Celui-là on s'en fiche, celui-là on s'en fiche, celui-là on s'en fiche. Donc voilà pour le portail super, il y a allez, 4 unités qui m'intéressent. Le Végéto bien sûr, le Gohan, le Gotenks, pardon, et le Trunks du futur. Ensuite on va regarder le portail extrême. Alors le portail extrême, il y a un peu plus d'unités je crois qui m'intéressent dessus. Donc le nouveau Black Goku Rosé, ici présent. Donc pareil que pour le Vegeto, leader de la team extrême, avec l'activation de l'aptitude leader si vous avez une unité de type extrême de chaque type. Donc sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, le Mega Shenron, celui-là, il m'intéresse. Ouais, il pourrait m'intéresser. Dragon Maléfique, c'est une bonne, comment dire, une bonne team. Donc pourquoi pas. Ensuite, le Broly Super Saiyan 3. Ouais, pour l'extrême tech, mais bon, c'est pas un truc prioritaire. Le Cooler, qui m'intéresse aussi, que je n'ai pas. Et donc le Super CZ, j'ai déjà le Black Goku, alors lui j'ai déjà 100% avec deux doublons en plus qui traînent. Le nouveau Zamasu, pourquoi pas, nouvelle unité, nouveau Zamasu, celui-là ne m'intéresse pas, celui-là ne m'intéresse pas, il ne m'intéresse pas. Donc on a un peu plus d'unités intéressantes sur ce portail-là. Donc le Black Goku, l'Omega Shenron, Broly, allez, le Broly Super Saiyan 3, pourquoi pas, le Cooler, grave, ça m'intéresse. Et le petit Zamasu, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 unités pour le portail extrême. Allez, sans plus attendre, on va se lancer sur les multi-invocations, sur le portail super. Allez, c'est parti, let's go. Franchement, j'aimerais bien avoir des trucs. Ça fait longtemps que j'ai pas eu
des unités du portail et tout simplement des bonnes unités. Donc, première multi-invocation pour 3 personnages, pardon. C'est pas un personnage, c'est 3 personnages. Let's go. Allez. Allez, allez, allez. 5 capsules. Transformation. Super Saiyan 1. Super Saiyan 2. Pas de Super Saiyan 3. Mais 5 capsules. Donc il y a peut-être moyen d'avoir un petit quelque chose. Oh, une SSR direct. Bon, c'est dommage. C'est le Goku Super Saiyan 2. C'est pas non plus oufissime. Mais c'est une petite SSR sympathique. Oh! Dès le début, direct! Allez, bim! Je l'ai! C'est génial! Oh, la première multi. Oh là 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 là! Oufissime! Ah, c'est bon ça! Ça, c'est bon ça! Et le petit Trunks. Oh là 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 là! Première multi! C'est trop bien! Yes! Ah, ça fait plaisir! Ça fait plaisir! Allez, on va aller sur le portail extrême! Direct, hein, je switch. Ah oh, putain, le Végéto, quoi. Le Végéto Tech, première multi à 10 DS. Bim, il tombe. Ça fait plaisir. On va voir si j'ai de la chance sur le portail extrême. Parce qu'actuellement, le portail extrême, c'était pas trop trop ça. Allez, on y va. Let's go. Satan sur la droite, c'est pas très très bon quand même. Hein. Ah. Pas de transformation. Un bye bye. Une carotte. Un bye bye. Oh oh. C'est trop bon ça. Non mais pas lui. Real, je crois que j'ai le quoi le monter 100%. Mais, ouais. Couleur. Et drum. Ouais bon. Un bye bye pour un Metal Reeled. C'est une bonne unité malgré tout. Il est sympa, il debuff, il tank bien, donc ça va. Ça va, ça va. Bah allez, on va faire la deuxième multi. Donc c'est 5 personnages pour 20 DS. C'est parti, Mankiki. Allez. J'ai moins de chance sur le portail extrême que sur le portail super en général. Hein. 2, 3, 4, 5, 6. 6 capsules. Transformation. Super Saiyan 1. Super Saiyan 2. Pas de Super Saiyan 3. Mais 6 capsules quand même, c'est plutôt positif, je pense. Rikum. Non mais Baby Juvénile, non merci. Non mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Allez, arrête, on arrête, on arrête les conneries. Yes! Le Broly Super Saiyan 3. Je l'ai pas. Je vais pouvoir monter une team extrême tech. Même si je suis pas sûr d'avoir de très bonnes unités en tech extrême. Ça fait toujours plaisir. Un leader de catégorie. C'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est cool. Jusqu'à présent, je suis content. J'ai des unités que j'avais pas. Et encore un Zamasu agi. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. On a, honnêtement, je vais pas me plaindre. J'ai déjà eu le Végéto, j'ai le Broly SSJ3 que je n'avais pas, et on va faire la multi-invocation à 40 sur le portail extrême. Et j'aimerais bien avoir le rosé, le nouveau rosé, ça serait cool. Let's go, c'est parti. Allez. Quatre capsules, arc-en-ciel, pas de transformation. Mais non. Mais non. Bye bye. What? Un bye bye. Un bye bye avec quatre capsules, arc-en-ciel. Oh. C'est 17. Voilà. Mais non. Mais non, mais c'est quoi ça? Je veux pas. Je veux pas. Ah, mais c'est un portail C17 là. C'est. C16. Celle. Nappa.
Ah, en fait, elle est pas terrible que ça, quoi. Rien Shenron. Buta, c'est fini, non? Non, c'est fini. Non, c'est 16. C'est pas terrible, quoi. J'ai eu un C17 bizarroïde, là. C'est quoi, celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Inflige dégâts colossaux et qui plus un. Attaque et def. Ouais, c'est le support. Support. Agi. Ouais. Agi intelligence, mais ouais, surtout pour l'agi. Ouais. On va faire les invocations sur le portail super et on viendra pour la multi-invocation extrême par la suite. On a déjà eu Végéto. Allez, on y croit, on continue. Donc, multi-invocation pour 5 personnages. Let's go. Rien du tout. Arc-en-ciel. Transformation. Ça pue. Super Saiyan 1. Super Saiyan 2. Super Saiyan 2. Arc-en-ciel. Ouais, ça pue la mort. 2. Là, avec le Vegeta. Yajirobe. Le Trunks. Donc, ça, c'est l'arc-en-ciel. Et on arrête là avec le Sangohan, voilà. Non, nul. Honnêtement, cette multi était nulle. De toute façon, pas de capsule, voilà quoi. Fallait pas s'attendre à un truc de folie. On va continuer la multi-invocation à 40. Allez, on croise les doigts, s'il vous plaît. Un petit Gotenks, endurance, là, ça serait bien, ça ferait plaisir. Shenron, SSR garantie. Reste à savoir laquelle. Transformation. Super Saiyan 1. Super Saiyan 2. Allez. Un petit truc bien là. Krillin. Allez, on a un Shenron là. J'espère avoir un truc bien. Yamcha. Putain, pour l'instant, ça pue la mort. Piccolo. Mais y'a que des R. Arrêtez là. Putain. Vegeta. Beerus. Ah, le Trunks Super Saiyan du futur. Faut voir ce que ça donne, faut voir ce qui donne, je ne sais pas trop. Ça peut être sympa. Le Trunks Super Saiyan, est-ce que j'aurais quelque chose d'autre d'intéressant? Je crois pas, non. Là, clairement pas. On est en train de me dire, bon allez, t'as eu le Végéto, maintenant rentre chez toi. C'est fini, casse-toi. Le Sangohan, je crois que c'est fini, non. Voilà, c'est ça. Bon, on a quand même eu le Végéto, hein, c'est pas mal du tout. Une multi, la multi gratuite, la multi carotte en général, où on n'a pas grand chose. J'ai rarement eu quelque chose sur cette multi invocation. Deux capsules, transformation directe, transformation, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, pas de Super Saiyan 3, deux capsules. Je m'attends pas à grand chose. Hein. Le petit virus. Le Sangoten. Petit. Encore un virus. Le Krillin. Ils veulent me filer ce Krillin. Le Trunks Super Saiyan du futur. Bon, ok, d'accord. Encore le Trunks Super Saiyan. Vous voulez que je le monte Spédis ou comment ça se passe? Un Végéta. Un Beerus encore. Mais arrêtez avec vos Beerus là. Et un Végéta encore. Bon, autant dire que c'est cette multi gratuite est nulle. Hein. Voilà, on va pas se le cacher. On va retourner sur la multi invocation gratuite du portail extrême. En espérant que ça soit un peu mieux que celle du portail super. J'ai au moins eu le Végéto, c'est déjà pas mal. Clairement, c'est oufissime. Vous êtes sérieux là? Arc-en-ciel. Transformation. Une capsule. Mais je vais rien avoir quoi. Super Saiyan 2.
Je vais rien avoir, c'est la multi de la carotte. Encore du C17. Babidi. Spopovic. Le maître des grues. Il fait quoi le maître des grues? C18. Zamasu. Bou. Mais je l'ai déjà spé 10, lui. C19. C19 encore. Non, ouais, la multi gratuite, c'est pas trop ça, hein. C'est pas trop ça. Il me reste 140 DS. 140 DS. Ça me fait encore deux multi-invocations. Allez, on va réinvoquer sur le portail extrême. De toute façon, c'est le moment de craquer vos DS avant les 3 ans, donc profitez-en. Profitez-en, claquez tout ce que vous avez comme DS. J'ai déjà le Végéto, j'aimerais bien avoir le Black Goku Rosé ou le. Allez! On y va. Une multi supplémentaire à 50 DS. 2, 3, 4. 4, c'est pas terrible. Transformation. 4, c'est pas terrible. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Oh, oh, oh là. SSR garanti. Dodoria. Guldo. Mais c'est de la merde à côté, putain. Ça me donne pas confiance sur la SSR. Buta. Bon, vous voulez me filer le commando Ginyu ou comment ça se passe là? Zamasu. Zamasu. Mais arrêtez avec les Zamasu là. C17, putain, mais vous voulez me les refiler à. Vous en avez trop là, c'est allez, on donne, c'est gratuit, mais j'en veux pas de votre merde moi. Yes! Le leader de la catégorie Dragon Maléfique. Yes! Ça va faire plaisir. Avec ma team Fusion. Yes! Ça fait plaisir! C'est cool, Docteur Gero. Allez, le reste on s'en fout. Dabra, moi je m'en fous. J'ai Omega Shenron. Le Freezer. Et j'aurais pas eu Rosé quand même. Ah, des tickets. Ça y est, les tickets arrivent à partir de la cinquième multi-invocation. Trois tickets extrêmes. Et nous allons faire une multi-invocation sur le portail super. Et puis après, bah, on va s'arrêter là. Allez, portail super, c'est parti. C'est parti, Mankiki. 2, 3, 4, 5. 5, c'est un peu mieux que les 4. Mais arc-en-ciel. Un petit Super Saiyan 1, Super Saiyan 3, ça serait bien. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Bon, ouais, Super Saiyan 3, on va pas demander non plus tout le temps. Mais j'ai eu l'Omega Shenron et le Végéto, c'est déjà avec le Broly SSJ3, ça fait déjà 3 unités que j'avais pas. Des leaders de catégorie, ça peut être super sympa. Alors, Sangohan, ok. Bah, il faudrait me donner le Sangohan ultime dans ces cas-là, si vous me filez des Sangohan, en voilà, en veux-tu. Le Nail Air. Waouh, waouh, waouh. Le Trunks Super Saiyan, bon lui il va avoir une spé gratuite. Enfin, c'est bon, il va bien monter. Le Gohan. Mais arrêtez! Mais arrêtez, arrêtez là. Yamcha. Donnez-moi une SSR, quelque chose, non? Non, non. J'ai eu Végéto, c'est retourne chez ta mère et casse-toi. Ok, d'accord. J'ai compris. J'ai compris, vous voulez plus. Oh là 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 là! La merde! C'est vraiment de la merde. Bon, voilà, on s'arrête là, les amis. Non, honnêtement, c'est cool. Honnêtement, c'est cool. Par date, on va prendre que ça. Donc, j'ai eu plein de Zamasu, plein de Trunks, plein de Gohan.
J'ai surtout eu ah, le Shenron. Ça fait plaisir, ça fait un moment que je le voulais. Leader de catégorie, c'est toujours au-dessus des Neo God. Donc voilà, ça fait super plaisir. Je vais pas monter une petite team Dragon Maléfique, ça c'est cool. Ensuite, le Trunks là. À voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne. Le Broly SSJ3. Et surtout, ce petit bijou. C'est magnifique. Un Végéto Super Saiyan Divin, le nouveau. Je vais pouvoir monter une team super. Et le mettre dans ma team Super Tech qui va encore prendre un step up avec ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, honnêtement, c'est cool. Et puis bah il reste encore les tickets ici. Donc tickets super. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir faire des invocations dessus ultérieurement. Voilà. C'est tout pour cette vidéo invocation. Peut-être qu'ultérieurement je reviendrai sur ce portail. Si je claque des DS en plus et que je craque, on verra bien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir de futures vidéos Dokkan Battle. J'essaierai de monter des teams Extreme Tech, Dragon Maléfique. Et vous montrer ma team Super. Et puis le renouveau de ma team Super Tech. Donc ultérieurement avec ces invocations, je pense que je ferai un tour de ma box pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc j'espère que vous, de votre côté, vous avez eu de la chance et vous avez réussi à récupérer les unités qui vous intéressaient, les nouvelles unités, etc. pour compléter vos teams, histoire de pouvoir avancer dans l'aventure et réussir les futurs événements qui vont arriver. Normalement, il va y avoir le Super Battle Road. Non. Le boss rush, voilà, le nouveau boss rush qui va arriver avec toutes les teams, je pense. Donc voilà. Moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.